Oh là, tout le monde. Toujours là, tout seul. Bon, on va reprendre la suite. Malheureusement, j'avais commencé, mais ça a crash. Donc, on repart à zéro. Que j'ai pas pété, je vois d'ailleurs. Garce tout. Oh, il sort d'où lui? Ça brûle. J'aime pas ça. Je
Bizarre ces trous quand même, hein. Alors... Ok. Pas qu'il y ait de passage dans les murs, alors je suis pas vraiment sûr. Conducteur. Je vais par là. On va aller par là. Thank you.
destin. Oh, du coup ça fait gueule, je l'ai pas vu. C'est une vieille tronche. Augmente la balle de vie de 25%. Est-ce que vous souffrez d'un malus? Hmm.
Qu'est-ce qu'il a couiné le chien? Tiens, il y a un truc là. Ah, si on était tout à l'heure, ok.
Des limites. Je passe là-dedans. Il y a plus de mains requises. On s'intégrise, ouais.
pu. Ça, j'ai jamais eu ces trucs là à cœur, sont des trucs de peste. Il n'a pas explosé, chef. Sac plein. Bien de texture bug. Oh,
Explosion.
Oh, on a fait le tour, je crois. Donc, le sens, c'est qu'il y avait, j'ai pas de passage secret. Boots. Énervé dans ce village. Monter. Dans l'arbre.
Pas maintenant! Je vais te mettre une balle dans la tête! Pas qui t'avait affaire, hein. Je s'emballe. Putain. Tanya.
Pourquoi ce bruit? Prendre feu.
tout le mobilier avant. C'est le gamin de l'autre jour, ça. Pour un petit passage là, quelque part. Oh, des poutres à monter. Bouche cousue. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un étage. Thank you.
Chaîne d'amplification. Alors, augmente de 20% tous les dégâts infligés aux cibles affectées par un malus. Ok. Et merde. Et le gamin. Two. C'est parti où, gamin? Quoi ce grognement là?
croyais qu'il venait demander à l'aide, lui. Il est con. Il faut que je suis le gamin. Putain! Je le protège. On lootera après. Seul, je crois. Le qui me dit ils sont tous muets en fait. Bon ben, au boulot. Il faut pas que je perde la gamme de vue. Il va m'emmener à sa matriarche. La flemme de monter à l'échelle. Il aurait pu se téléporter hier, il a de la vue. Alors, elle va me parler maintenant. Joie et bénédiction pour m'avoir ramené cet enfant. Je vous remercie. Je n'ai pas grand chose à donner. Mais tenez, prenez ceci. Récupération. Vous êtes ici en quête de pouvoir. Pas pour vous-même, bien sûr. On vous a confié cette tâche. Vous souhaitez réparer quelque chose de cassé. Je vous l'avais dit. Je vois presque tout ce qui se passe ici. Dès que vous nous avez rejoints, j'ai su ce que vous recherchiez. Nous sommes assez semblables, vous et moi. Je cherche également à recoudre ce qui doit être recousu. Vous voyez, notre monde a été déchiré. Mais je vais le rapiécer comme il faut. Une couture à la fois, comme cette couverture. Ce monde s'est perdu tout seul. Il a perdu de vue ce qui était important. Le changement était inévitable. Mais ce changement est arrivé plus vite que quiconque ne pouvait le prévoir. Et maintenant qu'il est là, il faut l'achever. Avant qu'il nous achève. Chaque fil, chaque pièce contribue à terminer le changement. Jusqu'à ce qu'il soit achevé et que nous nous retrouvions. Même vous, maintenant que vous êtes là, vous avez votre propre pièce à coudre. La collision des mondes nous a apporté quelque chose de nouveau. Quelque chose de terrible. Il l'appelle la Tisse Nuit. Et vous devez la trouver. Du même endroit que toutes ces créatures. Je déduis qu'elle avait du pouvoir dans son monde. Désormais, avec les mondes cousus l'un à l'autre, elle est devenue quelque chose de bien, bien pire. Elle nous chasse pendant que nous dormons et dévore nos rêves, nous nourrissant de cauchemars et se délectant de nos peurs.
Ceux qui lui succombent finissent vidés et brisés. Mais elle ne les tue pas. Pas avant. Il y a un gamin derrière qui me parle en fait. C'est bizarre, il a une voix de. Des gamins, de mamie là, mais en fait, c'est le gamin derrière qui est en train de me parler. Cette couture des mondes n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît. Mais la tisse nuit, elle, oui. Si vous voulez véritablement nous aider, elle doit disparaître. Il y a un endroit rempli de drânes où les malades de l'esprit sont emmenés par mesure de protection. La leur ou celle des autres, c'est difficile à dire. C'est là que la tisse nuit attend. Dans les profondeurs et les ténèbres. Elle hante. Elle attend. Elle convoite. Mais voyons bien sûr, mon cœur. Ne vous l'ai-je pas déjà dit, mon cœur ? Oui, c'est ça, sans aucun doute. La vie, c'est le patchwork. Et le patchwork, c'est la vie. Nous faisons tous partie du motif. Personne ne peut voir le tout tant que le tout n'est pas terminé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le coudre un morceau après l'autre. Il y a des pièces qui n'ont pas encore été cousues. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne font pas partie du tout. Cela signifie simplement que la couverture n'est pas terminée. Comme ces enfants ici, cousus à leurs parents, bien que leurs parents ne soient plus là. Et ils étaient déjà cousus à moi avant de me connaître. Car tous les drânes font partie les uns des autres. La couverture et les drânes sont une seule et même chose, mon cœur. Et pas juste les drânes. Nous sommes tous ce patchwork. Les pièces n'ont simplement pas encore été toutes cousues. Et ne le seront peut-être jamais. En tout cas, pas du premier coup. La vie n'est que la répétition de quelque chose d'autre, non ? On peut avoir l'impression de n'avoir droit qu'à un seul essai, mais il y en a bien plus. Et certains d'entre nous en ont plus, vous voyez? Vous, vous vivez, puis mourrez, puis vivez à nouveau. Mais tout fait partie de la même couverture. Chaque pièce de notre vie raconte une seule histoire. Et lorsqu'une pièce se termine, une autre est cousue. Ainsi, le patchwork continue encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit complet. Nous le saurons quand nous le saurons. D'ici là, nous continuons à coudre notre histoire. Merde. Je n'ai aucun doute à ce sujet, mon cœur. Trouvez l'endroit où les drânes cachent ceux dont ils ne savent plus quoi faire. Elle vous attendra dans ses profondeurs. Vous aiderez également à coudre ce monde. Elle a essayé, oui. Mais je ne pense pas qu'elle ait aimé mon goût. Elle ne s'y reprendra pas. Si seulement je pouvais protéger les autres aussi facilement. Cela dépend de ce que vous voulez dire par là, mon cœur. Pour la plupart, ce serait vous l'être de grande puissance. Mais ce n'est pas vous-même que vous recherchez, n'est-ce pas? Mais c'est à moi que vous avez posé la question. Peut-être l'ai-je été jadis. Quand bien même, je ne le suis plus. La tisse nuit correspond à ce que vous recherchez. Mais voyons bien sûr, mon cœur. C'était une pièce inattendue, je le reconnais. Cousue si soudainement. Mais maintenant qu'elle est là, je crois fermement que c'est la pièce dont nous avions besoin. Oh, ne vous méprenez pas, mon cœur. Je sais bien que tout n'est pas rose. Certaines de ces créatures se nourrissent de pauvres drânes. Et les drânes, la plupart d'entre eux ne voient pas ou refusent de voir ce qu'il se passe. Ce doit être terrifiant pour tout le monde, mais ce sont des douleurs de croissance. Écoutez-moi bien, une fois la couture terminée, nous nous porterons à merveille. Ah, ça. J'ai reçu des yeux pour surveiller mon peuple et un cœur pour les protéger. Mais pas de voix en échange. Pour parler à mon peuple, je dois parler par leur intermédiaire. C'est comme cela que sont les choses. Quant à mes enfants, ce sont ceux qui n'ont nulle part où aller. Ils m'ont choisi, et je suis plus une mère pour eux que pour tous les autres drânes. Je suis navrée que cela soit perturbant, mais comprenez bien, ces enfants ont choisi de me donner leur voix. Bien sûr qu'ils pourraient parler, mais ils sont timides, je suis sûre que vous comprenez. Mais ils n'ont aucun scrupule à parler pour moi. Cela leur donne un sentiment d'importance,
vous voyez? C'est exact. À vrai dire, certains ne voient jamais au-delà de ce qu'ils veulent voir. Car s'ils ouvraient les yeux, cela arracherait toutes les coutures qui les font tenir. Alors, même si je comprends ceux qui ne peuvent voir, leur cécité rend les choses bien pires pour les autres. Ceux qui voient souffrent terriblement. Ils ne peuvent pas retourner à leur vie d'avant, mais personne n'est en mesure de leur offrir l'aide dont ils ont cruellement besoin. Ayez pitié d'eux, mon cœur. Tant que la couture n'est pas terminée, ils portent le lourd et indésirable fardeau de la vérité. Je n'ai aucun doute à ce sujet, mon cœur. Trouvez l'endroit où les drânes cachent ceux dont ils ne savent plus quoi faire. Elle vous attendra dans ses profondeurs. Vous aiderez également à coudre ce monde. Ok, ok. Non, on va casser tout ce qu'on n'a pas cassé.
compliqué de voir où on est passé, étant donné qu'on a couru partout pour le gamin. Je passe. Oh bon, j'ai pas été ça. On m'a ramené dans son frigo. C'est ça? Non, c'est pas le... Ah, la bête. Vas-y, on va retourner voir ma Minova.
le saligo qui me tire dessus là. Non, t'es sérieux? On va sortir. Bonjour, mon cœur. Que puis-je faire pour vous? Je n'ai aucun doute à ce sujet, mon. Trouvez l'endroit où les Dran vous aideraient également. Hein? Mais c'était pas lui, encore. C'était pas... qui peuvent être apportés à Wallace pour qu'ils étudient chaque rang unique et débloquent un nouvel artefact. Ok, eh ben, on reprendra ça la prochaine fois ou tout à l'heure. Ciao, ciao!